respirez. Vous entendez le son de ma voix. Vous êtes maintenant profondément détendu et endormi. Alors, essayez de vous plonger dans un souvenir très ancien. Que voyez-vous ? Je vois une route qui défile. Il fait nuit et il fait très froid. Qu'éprouvez-vous à cet instant ? Je suis fatiguée. Et j'ai peur. Je marche dans la rue, il fait sombre. Mais je peux quand même lire le nom de la rue, c'est la rue du dragon. J'ai l'impression que quelque chose me suit. Alors, passez un souvenir plus heureux. Que voyez-vous ? J'ai reçu un paquet dans ma boîte aux lettres. Je suis curieuse et excitée parce qu'il y a un vieux livre à l'intérieur. Ouvrez ce livre, que voyez-vous ? Je vois des dessins étranges et des textes dont je comprends pas trop le sens. Et ça me met un peu mal à l'aise. Le titre est illisible sur la couverture. Ensuite, je suis dans une forêt. Je vois un symbole étrange. J'ai l'impression que je perds la tête en le regardant et que je deviens folle. Que voyez-vous d'autre ? J'ai une cassette VHS dans les mains. Je la regarde sur une télé. Mais ce que je vois, me fait peur. Il revient tous les 30 ans, ravager la terre, puis il repart. Calmez-vous, respirez. Voilà, alors nous allons passer à un souvenir plus marquant. Quel est le souvenir le plus marquant que vous ayez ? Pouvez-vous me dire quand était-ce ? Je suis dans les années 80 et je regarde les infos à la télé, ils parlent de la guerre Iran-Irak qui a fait plus d'un million de morts. Ce n'est pas possible, vous n'étiez pas encore née. Peut-être êtes-vous en train de regarder une retransmission d'un journal télévisé. Non, je suis sûre que c'est... Je suis sûre que c'est pas une retransmission parce que... Je peux me voir dans le reflet du miroir. Mais c'est quelqu'un d'autre. C'est pas moi, mais... Mais c'est moi. Et c'est le jour de ma mort. Continuez. Ensuite, je suis dans un couloir sombre devant une porte. Je m'apprête à ouvrir la porte. Mais j'ai l'impression que je perds la tête. J'ai les poils qui se dressent. J'ouvre la porte et je vois York Sutter. À la fenêtre de l'espace-temps et la porte vers d'autres dimensions. Et je suis ça.